Et moi et le silence, qui est un titre un petit peu énigmatique, c'est un vers de la poétesse américaine Emily Dickinson. Elle raconte l'histoire de deux jeunes filles, une jeune fille noire et une jeune fille blanche, qui se connaissent en prison, ce sont des petites délinquantes, et qui, d'une façon au début brutale, établissent un lien fort d'amitié, qui va devenir même un lien d'amour. Et on voit comment ces jeunes filles, dans la fréquentation qu'elles ont l'une de l'autre, grandissent d'une certaine façon. C'est une pièce de Naomi Wallace. Naomi Wallace, c'est une autrice américaine qu'on commence à connaître un peu en France. Elle raconte à la fois des rapports de classe, elle raconte la violence de la société américaine, mais elle le fait d'une façon qui ne relève pas du catéchisme ou qui ne relève pas de la dénonciation primaire. Elle raconte l'histoire de personnages, de personnes qui sont complexes dans leur façon de fonctionner, dans les relations qu'elles entretiennent. Et on va les voir donc tout au long de ces deux scènes, deux moments alternés, établir cette relation forte, souvent violente d'ailleurs. Et puis on les voit rêver à un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur, en l'occurrence, consisterait à devenir domestique. Elle s'imagine ce que serait le travail idéal de la domestique. Et puis on va se rendre compte que même ça, c'est pas si facile pour elles deux. Ces deux jeunes filles nous parlent des êtres humains qu'elles sont, mais aussi des êtres humains que nous sommes.